Non, non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça va bien se passer, madame, vous allez voir. Excusez-moi, on ne peut pas, entre deux temps d'élection présidentielle, se contenter que de phrases. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Vous avez donné mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, est-ce que vous leur donnez une... Vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation. Va faire ses cours pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. C'est vraiment condescendant. Laissez parler l'interlocuteur. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné, hein, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD. Troisième point important, pardon, mais Marine Le Pen n'a pas la compétence. Et c'est pas moi qui le dis. Elle n'a pas la hauteur de vue. Pourquoi ? Demandez à Philippot ce qu'il pense de Marine Le Pen. Elle est nulle, elle est pas bonne, elle a pas assez travaillé. Demandez à ce que Zemmour... Éric Zemmour a dit de Marine Le Pen, elle est insuffisante, elle est incompétente. Et les Français, ils disent quoi d'Emmanuel Macron? Bah oui, hein. Bah oui.